vidéo le 28 novembre. Donc ce week-end, on est en décembre et on voulait avoir notre décoration Noël. Donc cette vidéo sortira un peu plus tard. Et Punti Punso, à partir du 1er décembre, sur nos Instagram, on vous fait un calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On va vous faire gagner plein de choses et des choses inattendues. Des choses pas communes. Et du coup, première question qu'on vous a posée, c'est comment on devait s'habiller aux couleurs de Noël ou normalement. Et du coup, c'est aux couleurs de Noël. Donc tu sens ma rouge et vert et moi, en plus de ça, j'ai une veste blanche. Donc je ressemble vraiment au Père Noël, je vous montrerai tout ça. Moi, je crois que c'est quand on sort. C'est pour ça qu'il faut voter contre l'article 13 et absolument signer la pétition. Parce qu'avec l'article 13, ne serait-ce qu'utiliser la musique de Noël de Mariah Carey, ben on ne pourra plus le faire. Mmh. Et la vidéo sera soit démonétisée, ce qui n'est pas hyper grave non plus en soi, c'est chiant. Soit enlevée de YouTube. D'accord. C'est pas possible. Donc on met la pétition en bas, n'hésitez pas à voter, s'il vous plaît, à voter. Merci. Là du coup, go au champ. Alors apparemment, on nous a dit, enfin Juju nous a dit qu'il y avait des beaux sapins. Mon beau sapin, roi des forêts. On vous a demandé sur mon Instagram si on prenait un sapin vert ou si on prenait un sapin enneigé. Moi, je préférerais un sapin enneigé. Manon, qu'en penses-tu? Moi, tout dépend. Non, ça ne me dérange pas. Allez, non. Ah ben non, moi je préfère enneigé. Donc je sais pas, vous allez dire enneigé. Et après, on va vous demander la taille. Enneigé ou vert? Enneigé à 54%. Ah. On vous a posé pas mal de questions. Ouais, on a bombardé là. On a bombardé. On a mis pas mal de choses. Donc pour Lulu, vous avez voté pour qu'on lui prenne la petite mini Père Noël. Elle va être trop belle dedans. Du coup, on s'est aussi pris les chaussons de Noël. Mais je sens ridicule, hein. Chaussons de lutin et Père Noël un peu quand même. Père Noël, ça va, mais le lutin en plus, c'est hyper compliqué à rentrer le pied. Moi, je dis l'inverse. Moi, je dis le plus ridicule, c'est le Père Noël. Mais non, en plus, les jours, les elfes, si tu galères entre ton pied et en plus, il y a plein de couchettes. Et pour le sapin, vous avez choisi le plus grand. Hein. Ouf. Enfin, mini ou maxi. Et donc, du coup, là, on vous a demandé 150 cm ou 180 cm. Je voudrais 150 si ça m'arrangerait. Moi, je voudrais 180. Normal. 180. Il y avait 210, hein. J'ai eu trop peur, ouais. Parce que je vous ai demandé de choisir entre deux couronnes, une verte un peu ancienne et une dorée pour la porte. Et vous avez choisi la dorée, très cheap comme Anaïs, très cheap, on adore. Mais bon, heureusement qu'on a attendu parce que j'étais pas forcément très fan de la verte. Et on a vu un plaid aussi, genre aux couleurs de Noël, et vous êtes d'accord pour qu'on le prenne. Il est trop beau, genre sur le canapé avec le plaid et le chocolat chaud. Oui, un cadeau de Noël là. Du coup, j'ai envie de faire comme un film de TF1 et à chaque fois que quelqu'un nous parle, de leur dire Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oui, tu peux pas le dire là, on est le 28 novembre. Ouais, je sais. Déjà, on trouve Il y a une abonnée qui nous a arrêté, j'ai envie de lui dire Joyeux Noël, comme dans les films. Bon, là, on est chez Jiffy. Allez, on est chez Jiffy, on va acheter tout ce qu'il y a autour du sapin alors qu'on n'a pas encore acheté le sapin. Mais Juju nous a dit qu'il y avait plein de trucs mignons. Oh, regarde, il y a Monsieur Biscuit. Oh, il est trop mignon. Comme dans Shrek. Ouais, alors du coup, on a vu Monsieur Biscuit, on a vu Olaf, alors à vous de choisir qu'est-ce qu'on choisit. Est-ce qu'on vous écoutera? Est-ce qu'on vous parle de trop de savoir la déco du sapin en fait. La couleur du sapin. Est-ce qu'on va être genre traditionnel, genre rouge et vert? Est-ce qu'on part sur du bleu ou sur du rose? Du bleu. Du rose. Du bleu. Ou du rouge et vert. Voilà, non, on est en train de choisir rouge et vert et puis. Voilà. Pas chaud. Merci, au revoir. Alors là, j'ai laissé Manon. En fait, elle essaie de vous emboucaner parce qu'on a vu des décos. Et en fait, il y a un pingouin et un nounours. Et en fait, Manon est fan de pingouin. Donc elle essaye. Ouh! Donc du coup elle essaye de vous dire ouais je suis fan de pingouin naninana. Mais c'est un peu de la triche en fait. Genre, est-ce que moi je vous ai dit que j'étais fan de bleu? Même si vous savez. Non, merci. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Hello. Bon ça y est, on arrive devant Maison du Monde. Je vais regarder ce que vous avez choisi au niveau de la déco. Est-ce que vous avez choisi traditionnel ou original? Et la réponse est... Ah, c'est pas loin, hein. C'est quoi? Traditionnel. Ah. Tu vois comme quoi je t'ai dit c'est ça. C'était sûr, hein. Bah à la base je me suis dit rose gold ça peut être bien. Après c'est notre premier sapin, donc tant qu'à faire, viens ici, tu vois pas là. Tant qu'à faire, autant faire traditionnel, ouais. Pour the first time. Non, on va voir ce qu'on trouve à Maison du Monde. C'est parti. On sort de chez
Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais on a respecté ce budget là puisque nous sommes sortis de chez Maison du Monde en lâchant 400 euros. Oh, 400 euros chez Maison du Monde, donc plus le reste, bah on y est quoi. On voilà. y est parce qu'après il faudra ajouter le sapin, donc on est à 16 euros pour le budget de Noël. Je vais vous tuer, ma mère va vous tuer. Ma banquière va vous tuer. En même temps, on avait rien, il fallait bien qu'on achète tout, le sapin, les boules. C'est sûr qu'on part de zéro. Voilà, au moins on a pris un truc traditionnel comme ça, on est sûr qu'on le réutilisera à un moment donné ou à un autre quoi. J'ai reçu le budget à ce moment. On a fini de manger et on en profite pour aller finir la déco de l'appartement. Mais c'est pas la déco, c'est l'aménagement. L'aménagement, c'est notre bureau. Oui. Parce qu'il faut aussi qu'on fasse samedi l'appart tour et on choue pas les bureaux. Donc c'est un peu embêtant. Ah, mais on aura pas de chaise non plus. On aura pas de chaise. Il nous manque les chaises. Bon, on n'est pas d'accord, on est en train de parler. Je disais à Manon que je voulais aller chez Emma pour aller chercher les cadeaux, les boîtes cadeaux, les papiers cadeaux. Parce qu'on a déjà fait plein de cadeaux. On est le 28 novembre. On est le 28 novembre. Et Manon, elle veut pas. Pas que je veux pas. Mais elle me dit, mais c'est bon, tu iras en 2-2, ouais, ça. Et donc c'est moi, je m'en occupe. Non. Je suis en cours, donc oui. Non, mais si on commence à faire les emballages cadeaux, ça prendra moins de place. Bah non, ça prendra plus de place si tu fais les emballages Nice. Bah là, tu dans une box rangée. Bah oui. Bon, bah du coup, on est obligé de vous poser la question. Maintenant, ouais. C'est une question nulle. Oui. C'est une question nulle, certes, mais là, on est en Discord. Donc, Non, mais en fait, vraiment, on va passer notre vie à ça. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on a un désaccord, on va demander son Insta. Je sais pas si ça vous dirait. Est-ce qu'on vous met un petit sondage pour savoir si ça vous dirait. Ça va arriver souvent. Hein. Ça va arriver souvent alors. Hein. Étant donné qu'on a pris des fans de pizza, on va lui prendre sa. Sous forme de boîte de pizza. J'adore. Regardez ce qu'on a trouvé chez Sephora pour Léa Poul. Vous avez dit oui pour un deuxième cadeau. C'est Benefit qui fait ça. Et donc dedans vous avez plusieurs produits. Du coup là on va prendre des petites bougies esprit pour Fanny et Juju. En fait Fanny est fan de cette bougie qui sent linge frais. Du coup je vais m'en prendre une également. Tant qu'à faire. Et Juju elle aime trop également. On aime trop, on est très propre comme copine. Là c'est linge propre. Et du coup Juju voulait celle-ci. Voulait ce parfum d'ambiance linge propre. Donc voilà, on continue les cadeaux de Noël. Alors on ne vous a pas mis sur Instagram pour pas qu'elle voie. Mais bon, en tout cas, je pense qu'elle le verra sur YouTube. Les dernières minutes sur cette rush totale. Là, on est vite parti à Truffaut. On a fait la fermeture à Truffaut. Et là, par contre, hors sujet avec les cadeaux, il faut qu'on aille à Boulanger parce que les télécommandes ne marchent plus. Voilà. Donc si on a des télé sans télécommande, c'est un peu problématique. Et ensuite, on a une demi-heure pour chaque truc. Et ensuite, on a une demi-heure pour aller chercher le cadeau de Tati. Vous avez donc choisi le qu'on lui prenne massage. Donc c'est la tranche de demi-heure. On court. C'est parti pour choisir le petit massage pour ma Tati. Jingle bell, jingle all the way. On a song, it's a fire, on a open day. Hey! On va juste aller dormir. Faut souhaiter une bonne nuit. Enfin bon, du coup non, parce que quand vous regarderez la vidéo, il sera pas nuit. Mais voilà, on vous fait de gros bisous et encore merci d'avoir été très nombreux à être hyper réactifs pour cette journée. On espère que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, liker, partager, abonne-toi juste en dessous et surtout active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours. The jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rhyme. Jingle bells chime in.